Salut à tous, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Première vidéo de l'année 2019 et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2019, plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Pour commencer l'année 2019, on va ouvrir tous ensemble la nouvelle Woodbox. Première Woodbox de l'année. Première Woodbox de l'année, je sais pas c'est quoi le thème. La preuve, je l'ai reçu il y a quelques jours. J'ai pas eu le temps de l'ouvrir avant, de faire la vidéo avant, je la fais ce jour-là. On va ouvrir et puis on va découvrir ensemble le thème, puis on va le déballer. C'est parti. La boîte est ouverte, je sais pas ce qu'il y a dedans, je sais pas c'est quoi le thème, je sais pas, je sais plus même, j'avais vu le thème sur Internet mais je m'en souviens plus. Comme j'ai une petite tête, une petite mémoire, voilà, allez c'est parti. On va prendre déjà en premier le petit calepin, je regarde pas comme à l'habitude, ça change pas. Le thème c'est Team. Janvier 2019, le thème c'est Team, comme Team Yoshi, grosse couille, tout ce que tu veux. Voilà, on regardera ça à la fin de la vidéo, comme à l'habitude, on change pas une équipe qui gagne. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors nous avons déjà un petit t-shirt qui est sur Overwatch, un jeu multijoueur. J'ai joué pas mal de fois, on va pas dire beaucoup de fois, mais j'ai joué un petit peu Overwatch, c'était sympa à jouer à plusieurs. Faut aimer, moi j'étais plus le mec à jouer bourrin avec une grosse sulfateuse, à prendre un personnage comme ça. Vous voyez le robot là? J'aime bien celui-là moi. Mais sinon en jeu multijoueur, je suis nul à chier, hein. Je suis nul à chier. Alors c'est un jeu fait par Blizzard, et on va le découvrir le t-shirt, qui fait ses Noël. Voilà. Alors, il est plutôt classe. Il est très classe, franchement il est très classe, avec différents logos de Overwatch, voilà, de personnages, pardon, des personnages d'Overwatch, voilà, il est très classe, j'aime beaucoup, il fait Noël, il est classe, j'aime bien, de toute façon, été ou hiver, hein, on peut le porter, hein, ça. Ah, nous avons PUBG, ah, nous avons ceci, voilà, qu'est-ce que c'est? PUBG c'est aussi un comment on appelle ça, un genre de jeu grand mode multijoueur. Je joue un petit peu à ça, c'est en série des potes, mais c'est juste dans le délire. Je l'ouvre, on ouvre et on découvre que dedans on a un genre de scratch. D'accord, c'est un truc qui se met. D'accord, c'est un scratch PUBG que tu couds et que tu mets en fait sur tes vêtements ou ton sac à dos, ce que tu veux. Mais vu que je suis mauvais en couture, je risque pas de le mettre. Le bruit qui stresse. Voilà, c'est comme ça. Bon, c'est pas extraordinaire, mais bon, il y a mieux. Hein, il y a mieux. C'est comme si tu recevais un cadeau de Noël et le cadeau était empoisonné, c'est un petit peu ça, mais bon. Il y a même deux boîtes. Ah, attends, j'ai un autre truc. Ah, ça c'est le pins. Bon, le pins. Le pins. Une poêle. Une poêle. Une poêle. Pourquoi il m'offre une poêle? Ah, parce que dans PUBG, souvent, on peut choper des poêles. Alors, est-ce que aussi dans ce fameux jeu, on peut aussi choper des poêles? Je sais pas. Hein. Je sais pas. Encore un autre pins dans ma collection. Faut vraiment que je me fasse ce putain de classeur. Hein. Comme ça, je ferai une vidéo spéciale avec tous les pins que j'ai. Une petite boîte. Alors. Ah, c'est mignon. Ah, j'aime bien. Ah, c'est mignon comme tout. Ah, c'est des nouvelles figurines que j'avais pas. Ça. J'avais pas ce style de figurines là. Ça vient de la série Seigneur des Anneaux. On appelle ça des Pokies figurines. Regardez, c'est des petites figurines comme ça, voilà, sur pied. On a Gandalf et Legolas. Voilà. C'est mignon comme tout. Ah, franchement, ils sont mignons comme tout. Ah, j'ai même pas envie de l'ouvrir, tu vois. C'est un plastique dur, hein. C'est sympa. Voilà. C'est très mignon. C'est mignon. Où mettre ça, je sais pas, peut-être dans mon meuble, là, où il y a plein de petites figurines, même les jeux PS3. C'est sympa. Voilà, Legolas et Gandalf. Plutôt joli.
plutôt très très mignon. J'aime bien, j'aime beaucoup. Ils ont un petit peu une gueule déformée, mais ça change des pop, ça change des de toutes les autres figurines qu'on a pu avoir. C'est sympa. On continue avec qu'est-ce qu'on a d'autre? Avec... Oh! Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Stranger Things. Et ça, j'ai jamais regardé. C'est une grosse boîte, hein. Ça fait... Elle est vide, la boîte, aussi. Ah ouais, elle est vide. Elle est... C'est une grosse boîte. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je sais pas du tout. Je sais pas qu'est-ce que c'est. C'est marqué adulte. C'est bizarre, il n'y a pas de pop ce mois-ci dans la boîte. Voilà ce que c'est. Voilà, c'était ça dans la petite boîte. Nous avons ici une bestiole avec des dents. Voilà. Et la petite fille qui va se faire bouffer avec une horloge. Ça me fait penser un petit peu aux bestioles qui sont dans The Last of Us. C'est vrai que c'est super sympa. Alors, c'est un truc à monter. Hein. Il y a la fille qui s'enlève. Voilà. Vous avez ici une partie comme ça. Et ça... s'emboîtait. Voilà, je vais pas dire s'enfilait parce qu'il y en a, ils ont tellement des idées cons qu'ils vont être dégueulasses. Et on peut le mettre de différentes façons. Soit on peut la mettre face au méchant, qui peut être aussi rigolo, un mec comme ça. Non, me touche pas! Ou sinon, on peut la mettre de cette façon, voilà, qui est plutôt aussi sympathique. Et sur la boîte, eux, ils mettent. Alors moi au début j'aurais plus dit que ça aurait été un petit cadre bien sympa à mettre, mais là c'est une autre figurine encore sur Stranger Things que j'ai maté aucune saison. Voilà, je vous le dis, là ce temps-ci je suis en train de me regarder Gotham. Voilà, je me regarde Gotham avec ma chérie et puis aussi je regarde Friends. Elle est super mignonne avec tout. Petite figurine comme ça, j'aime bien. Ça prend pas beaucoup de place, ça coûte pas cher. Maintenant on va monter la boîte. Voilà la boîte de la Woodbox du mois de janvier 2019 qui est sur le qui est sur un petit peu sur Seigneur des Anneaux, parce que quand tu vois l'arrière tu comprends tout de suite, hein. C'est l'écriture qui a sur l'anneau. Ça c'est une porte. Alors la porte de quoi, je sais plus du tout, mais je pense que c'est une boîte qui est consacrée au Seigneur des Anneaux, qui est une trilogie excellente. D'où j'ai jamais vu aussi les Hobbits. Hein. Moi je suis en retard par rapport à ça. Un truc de fou. Mais je vous rassure, les Seigneurs des Anneaux, je les ai vus. Par contre, ça, je m'en souviens plus du tout de ce que c'est. Voilà. Nous allons maintenant récapituler ensemble ce qu'il y avait dedans. Nous avons eu un petit scratch pour mettre sur les vêtements sur PUBG. Deux petites figurines mignonnes comme tout. Sur le Seigneur des Anneaux avec Gandalf et Legolas. Nous avons eu un petit pins en forme de poil. Nous avons eu aussi une figurine sur Stranger Things qui est mignonne comme tout, qui est très sympa. J'aime bien, j'aime beaucoup même. Et puis bien sûr, en premier, j'avais ouvert, comme vous l'avez vu en début de vidéo, de taille XL, le petit t-shirt sur Overwatch, qui est vraiment très 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 joli, qui est marron, qui a plein de couleurs, avec de la neige, avec différents personnages en forme pixel de la série Overwatch. Puis bien sûr il y a eu le petit livret, donc on va ouvrir tout de suite et découvrir ensemble ce qu'il y a dedans. En premier nous avons le petit Edito, voilà, ça c'est la team, hein. Nous avons les différentes photos sur les différents routeurs. Des fois j'en fais partie, des fois j'envoie des photos, mais je n'ai pas fait depuis un certain moment. Nous avons le coup de cœur de l'équipe de Woodbox. Voilà. Nous avons la méga Woodbox du mois de janvier sur Steam, avec un jeu d'échecs sur Seigneur des Anneaux, un Lego Harry Potter, un casque audio, des katanas et un téléphone smart Samsung. Il y avait des mini figurines du Seigneur des Anneaux, une figurine Stranger Things. Il y avait plusieurs personnages qu'on pouvait mettre dessus à la place. Il y avait des garçons et il y avait la petite fille, ou sinon il y avait un autre monstre qu'on pouvait aussi mettre.
dessus. Nous avons eu un patch PUBG officiel. Il y avait différents logos. Je pense que dans différents toolbox, si vous regardez dans d'autres vidéos ou de Woodbox, vous en verrez d'autres. Le fameux petit t-shirt qui est super sympa. Et bien sûr, le pins qui est sur une poêle. Voilà. Et là, nous avons un indice sur le thème du mois prochain. Je vous laisse deviner et de me dire dans les commentaires ce que c'est. Moi, qu'est-ce que je vois? Je vois un chat avec un parapluie. De comme ça, de loin, j'aurais dit plus un Dracula, tu vois. Mais là, je pense que ça sera un petit peu Japon, je sais pas du tout. Sur les séries japonaises, peut-être, je sais pas. Et vu que je m'y connais rien du tout, on sera pas dans la merde. Il y avait une autre Woodbox exclusif que je voulais me prendre. C'était une spéciale Dragon Ball que j'ai pas pris. J'espère, je croise les doigts pour qu'il en reste. S'il en reste une, j'en prends. J'en prendrai une. Puis voilà, je sais pas s'ils vont en faire d'autres cette année. Est-ce que cette année je vais continuer la Woodbox? Oui, pour vous dire que oui, je continue la Woodbox, encore compte une 12 fois. Je me suis régalé à en faire en 2018, c'est vrai, j'ai pas fait beaucoup de vidéos courant 2019, courant fin 2018, pardon. Mais là, on est reparti pour de nouvelles aventures. Encore une nouvelle saison en 2018, en 2019. J'ai du mal à calculer. Hein. Et puis voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Laissez un commentaire, partagez et bien sûr abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et on se donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos. Ciao !